c'est d'abord avant tout une démonstration de responsabilité. Nous avons souhaité depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, travailler à la construction d'une union qui soit la plus large possible. Donc il y a aujourd'hui plus de la moitié des maires de La Réunion, il y a des parlementaires, il y a également des acteurs du monde économique, des acteurs du monde associatif qui sont rassemblés pour pouvoir nous accompagner dans cette union des droites et des centres, parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire face. Faire face à l'urgence, l'urgence sanitaire, l'urgence sociale, l'urgence économique. Et nous sommes aujourd'hui, encore une fois, les uns et les autres, en pleine responsabilité pour pouvoir être des acteurs, agir et être aux côtés des Réunionnais lorsque cela va mal. Je ne sais pas si on peut parler d'alliance des sortants, mais en tout cas, je reconnais en Cyril Melchior, donc un président qui aura œuvré, qui aura travaillé au conseil départemental pendant ces dernières années. Et donc aujourd'hui, bien sûr qu'il a mon soutien le plus total et le plus entier dans le cadre des départementales. Mais vous savez que c'est aussi un des enjeux de cette élection, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait au département et à la région donc une unité d'action, une coordination d'action. Parce que si nous voulons être, encore une fois, plus efficaces pour soutenir les petites entreprises, plus efficaces pour soutenir les familles les plus fragiles, plus efficaces pour intervenir sur le champ de la santé, sur la question sanitaire, alors il vaut mieux que nous travaillions ensemble, département et région, main dans la main. Cet après-midi, nous allons mettre en place effectivement une organisation de fin de campagne, de début ou de fin de campagne à la fois. Nous allons également travailler sur les derniers éléments de projet et sur la coordination de ce qui devra être fait dans les communes par rapport les uns par rapport aux autres. Un des éléments clés de cette campagne, c'est notre action de territorialisation. En manière concrète, ça veut dire que nous voulons, à travers les actions de la région, être présents dans les 24 communes, dans tous les quartiers. Et pour cela, j'ai besoin du soutien et de l'accompagnement des maires.